Bonjour, mon nom est Chongping Lu et bienvenue à la minute technique de Flow Simulation de Solid Expert. Le lancement de la nouvelle version de SolidWorks 2016 approche à grands pas, ce qui implique bien évidemment des nouvelles fonctions dont l'affichage des résultats symétriques dans Flow Simulation. Nous savons bien que dans les analyses, il est primordial de considérer des simplifications comme les conditions de symétrie dans le modèle 3D ou bien dans l'étude elle-même, afin d'accélérer le processus sans vouloir nuire au résultat. Nous voyons ici un tracé de visualisation surfacique montrant un résultat quelconque dont l'affichage n'est bon que pour le corps du modèle. En cochant l'option « Miroir des résultats », nous pouvons donc voir des résultats comme si l'analyse aurait été effectuée au complet. Nous observons bien sûr le même comportement sur un plan de visualisation. Vous pourrez donc inclure dans vos rapports des images de résultats beaucoup plus représentatifs de la réalité de vos analyses thermofluidiques en affichant des résultats sur le modèle en entier lorsque vous utilisez des conditions de symétrie dès la version 2016. Ceci met fin à la minute technique de Flow Simulation de Solid Expert. Merci et à la prochaine.